Benalux, donc le buteur pour vos mesdames. Alors une petite réaction après ce match contre le PSB. Ben voilà, ce qu'il faut retenir, bon, on a fait un match plein, on a essayé, les autres, ils étaient venus, ils étaient bien en place, une belle petite équipe, on pensait qu'ils étaient plus jeunes, et puis ils ont quand même finalement de l'expérience et tout ça, ils jouent bien les coups, et puis bon, ben voilà, on est mené au score pour la première fois de l'année, mis à part Pontarlier où c'est dans les arrêts de jeu, ce qui est vraiment positif, c'est voilà, c'est, on a les ressources pour revenir au score, et ça montre que ben, y a une grosse envie dans l'équipe, une grosse solidarité, et puis voilà, je pense que ça va payer dans la saison pour qu'on aille chercher quand même pas mal de points et qu'on fasse du mal à certaines équipes. D'abord, je pense qu'on entame le premier quart d'heure un bon entame de match. Après, la dernière demi-heure, on a essayé de trop jouer long et donc avec les dégagements de leurs gardiens, ils nous mettaient souvent en difficulté. Ils jouaient assez haut et on est revenu avec des autres intentions en deuxième mi-temps. Malheureusement, on prend ce but qui nous fait mal, mais on a eu la force de caractère pour revenir et je pense que ça va être le début d'une belle série. Okay. C'est vraiment confiant justement pour le match. Justement, c'est le genre de rencontre qui met en confiance, même si les 4 points sont pas là, au moins on perd pas, c'est surtout ça le principal. Donc je pense que ça va resserrer un peu les liens dans le groupe et ça va nous faire du bien pour la suite. Donc avec vous, Cédric Lacroix, donc joueur du PSV, bah, ta réaction après ce match nul, forcément déçu? Ouais, déçu, on pensait tenir le score, on marque à 2 avant la fin du match. Malheureusement, on fait une petite erreur du côté gauche sur une touche. On est un peu plus vitesse et puis après corner. Et puis moi j'essaie de la dégager sur la ligne et puis ça retombe sur le 7, malheureusement.